nous allons vous raconter la nouvelle aventure des plantes. Celle qui consiste à vivre avec les autres. Avec les autres plantes, avec les animaux et avec les hommes. Suivrez aux quatre coins du monde, et même au cinquième, sur une île qui n'existait pas en 1962. Au bagne de Cayenne, vous verrez le dernier des étrangleurs. C'est un figuier. Nous irons voir la plante extraordinaire qu'on appelle le sabre d'argent, qui ne vit qu'au sommet du volcan d'Hawaï. Dans la forêt tropicale, nous irons espionner la nuit, les chauves-souris qui font du trafic de graines. Et vous découvrirez les terribles fourmis coupeuses de feuilles. Vous resterez assis devant le coco-fès, condamné aux îles Seychelles à perpétuité. Vous apprendrez que les arbres disposent d'un système d'alarme. À la Réunion, vous applaudirez l'orchidée sans feuilles. En Australie, l'orchidée souterraine. Et en Amérique centrale, l'orchidée qui fait passer les abeilles dans le tunnel de l'épouvante. Nous avons même rencontré des arbres heureux parce qu'ils sont mariés avec des champignons. Nous irons voir, en haut d'un arbre, la grenouille qui vit dans une plante et le colibri qui repart sans payer sa consommation. Dans le désert d'Afrique du Sud, vous verrez l'invraisemblable Welwitschia. Vous verrez même la fleur qui trompe les oiseaux avec les souris. Pour suivre à l'intérieur d'un lichen, les amours d'une algue et d'un champignon, vous serez réduits à la taille de 5 millièmes de millimètre. Sur le Danube, nous dériverons avec les îles de roseaux. Au Danemark, vous saluerez le chêne contemporain de Jésus-Christ. À la frontière du Canada, nous verrons l'abominable saracénia des tourbières. Vous frémirez devant le champignon qui a des artères qui battent. Vous apprendrez que le roi de la forêt n'est pas celui qu'on croit. En vérité, au cours de ces 13 épisodes, vous n'en finirez pas d'être étonné. Et quand vous aurez été comme cette guêpe frappée par l'orchidée marteau, vous le serez aussi par cette évidence que l'homme n'est jamais que l'homme et que la vie ne cesse de faire de la recherche appliquée à la vie. Et voici le premier épisode intitulé « Le plus faible des deux ». Force V, la force végétale. Pour l'observer, il faut l'accélérer. Force A,
la force animale. Il faut au contraire la ralentir. La vie a longtemps hésité entre les deux. À peine apparue sur la Terre, ayant ouvert comme font les commandos sa première enveloppe d'instruction, la vie y a trouvé ceci. Phase numéro 1, les bactéries. Une bactérie utilise, en moyenne, 1 million d'unités d'information, soit l'équivalent de 100 pages imprimées d'un livre dont chaque lettre serait une information. Affaire à suivre, car elles sont capables d'échanger ces informations. On pense déjà à les faire travailler à la place des puces électroniques dans des ordinateurs vivants. Après les bactéries, la vie a ouvert sa deuxième enveloppe codée. L'Islande, une source volcanique, plus de 60 degrés centigrades. Il y a 4 milliards d'années, les instructions de l'évolution furent d'inventer le végétal dans ses eaux encore chaudes et chargées des sels de la terre. Ainsi sont nées les premières algues équipées du génial petit grain vert permettant la photosynthèse. D'abord montée en option, comme sur cette glène, qui peut être animale ou végétale, et par la suite en série sur tous les modèles. Nous sommes ici, des millions d'années plus tard, à l'intérieur de la feuille d'un arbre. Dans chacune de ces cellules, les voici, les fameux petits grains verts, les chloroplastes. Ils mesurent de 3 à 10 millièmes de millimètre de long. Ils se promènent sans arrêt dans du liquide. Grâce à leur forme, à leur nombre et à cette mobilité, ils offrent en permanence à la lumière une surface 10 fois supérieure à celle de la feuille qui les contient. C'est l'Allemand Molisch qui s'est amusé, en 1914, à mettre en évidence le rôle de la lumière dans la photosynthèse, c'est-à-dire dans la fabrication du sucre par les plantes. Un négatif laissé quelque temps sur une feuille, un traitement à l'iode, les parties plus ou moins opaques du négatif ont plus ou moins empêché la formation des sucres. Facile à refaire chez vous. Mais dans la plante, comment ça marche? D'abord, il faut de l'eau. De l'eau comme s'il en pleuvait. Vous, le champignon, vous ne faites pas la photosynthèse. Vous vous êtes trompé d'épisode. On n'est même pas sûr que vous soyez une plante. Vous repasserez, vous êtes dans l'épisode numéro 8. Quand vous avez assez d'eau, vous en faites monter, en même temps que des sels minéraux puisés dans la terre, jusque dans vos feuilles. En somme, vous leur servez de l'eau minérale. Dans l'air, il y a du gaz carbonique.
vous le prenez. Vous le cassez en deux en tapant dessus avec des grains de lumière qu'on appelle des photons. Pas la peine d'en prendre trop, 8 photons, ça suffit pour qu'une molécule de CO2 n'insiste pas. L'oxygène dont vous n'avez pas besoin, vous le jetez. Mais le carbone, surtout ne le jetez pas, c'est avec ça que vous allez faire des sucres. Et voilà le travail. Rendement de matière vivante par rapport à l'énergie utilisée de 1 à 2%. Dans l'industrie privée, on ferait faillite. Mais la photosynthèse est un service public subventionné par le soleil. D'ailleurs, avec la lumière, on peut s'arranger. Voici l'une des orchidées les plus rares et les plus curieuses du monde. Solenanghis aphylla, l'orchidée sans feuilles. On ne la trouve qu'à l'île de la Réunion. Vivant sur un arbre, elle trouve inutile d'avoir des feuilles. Elle fait la photosynthèse avec ses racines aériennes. Mais au début de son apparition sur la Terre, après avoir mis en route les bactéries et les algues unicellulaires, la vie a déclenché la troisième phase de ses instructions. Opération noyau. C'est alors qu'elle met en route la fabrication de l'amibe. Ce petit rond, au milieu de l'amibe, c'est un mini-ordinateur central qui lui permet de traiter ses informations elle-même au lieu de les échanger avec n'importe qui, comme font les bactéries. Voici, dans un champ opératoire d'un centième de millimètre, une première chirurgicale mondiale, l'ablation du noyau d'une amibe. Que la société protectrice des amibes se rassure, il suffit, même 2 heures plus tard, comme ici, de rendre son cerveau, entre guillemets, à une amibe, elle repart comme avant. L'air de se dire, qu'est-ce que je disais ? Là aussi, pour la première fois au monde, voici une amibe en marche, filmée de profil au ras de terre, comme si notre opérateur était un protozoaire. Il risquerait alors ceci. Phagocyté par l'amibe, il se débat quand il est trop tard. Animal égale mobilité, donc capture de proie. Des millions d'années plus tard, cela donne ceci. Et voici le premier affrontement dans la vie entre animal et végétal. En bas, Spirogyra, une algue filamenteuse
connu pour l'élégance de ses grains de chlorophylle en spirale. En haut, une terreur. Cette amibe est officiellement appelée Vampirella, c'est tout dire. Vampirella est en train d'aspirer les grains verts de Spirogyra, vidant complètement l'une de ses cellules. Étrangement, au lieu d'être digéré, les grains de chlorophylle continuent à faire la photosynthèse dans le corps de l'animal, parce qu'il est translucide et que, biologiquement, il est encore proche de sa victime végétale. Imaginez une vache qui ferait la photosynthèse. Elle deviendrait toute verte. Voici un autre match. Nous sommes quelque part perdus dans une goutte d'eau. Votre écran mesure exactement un dixième de millimètre. L'amibe est en train d'avaler, comme un spaghetti, l'une de ces algues bleues qui sont les premières apparues dans la vie. Plus primitive que moi, tu ne n'es même pas. Elle se laisse empiler à l'intérieur de l'amibe comme un cordage. Mais quand celle-ci croit qu'elle va la digérer, hop, elle se détend comme un ressort et fait éclater l'amibe, qui n'en meurt pas d'ailleurs, et se recoue toute seule. En tout cas, cette fois, la plante se rebiffe. Troisième match de cette soirée animale-végétale, des millions d'années plus tard. Nous sommes au Transvaal, en Afrique du Sud. Dans des propriétés immenses, mais toujours grillagées, on y élève ces ruminants qu'on appelle des koudous. L'herbe est rare. Essentiellement, ils broutent les arbustes. Voici l'affaire que l'on pourrait appeler coup dur pour les koudous. En 1981, les fermiers du Transvaal trouvent des koudous morts d'une façon curieuse. Ils sont morts de faim, à côté des acacias, dont, manifestement, ils ont refusé de continuer à brouter les feuilles. Certains sont morts, accrochés au grillage des parcs. Ils ont voulu fuir. Mais quoi ? Hiver 1983, le professeur Van Oven transporte sur place un laboratoire mobile. L'autopsie révèle que les koudous ne digèrent plus les feuilles des arbres, parce que ceux-ci ont augmenté considérablement la proportion de tanin dans leurs feuilles. Hiver 1984. Le professeur Owen Smith débarque avec toute sa classe d'étudiants armés jusqu'aux dents. Pendant plusieurs jours, il martyrise les arbres. Aucun doute. Un quart d'heure après avoir été attaqué, les arbres augmentent la proportion de tanin dans leurs feuilles de 256% au bout de 2 heures. De quoi rendre leurs feuilles absolument indigeste. Et il faut 100 heures pour qu'un arbre se calme. Mais ce n'est pas tout. Le professeur ordonne à ses élèves d'épargner certains arbres. Et il analyse les feuilles de ces arbres-là. Aucun doute non plus. Un arbre situé à 2 ou 3 mètres d'un autre que l'on a frappé, s'il est de la même espèce, augmente aussi la proportion de tanin dans ses feuilles. Les arbres attaqués envoient donc aux autres des messages d'alarme. Sans doute une substance volatile dégagée par les feuilles blessées, déclenchant la réaction chez les voisins. Conclusion scientifique ainsi résumée, réaction de défense des arbres induite par surconsommation de la part des mammifères. En clair,
arme végétale de dissuasion chimique pour parer à une attaque massive. Quatrième combat de cet affrontement animal-végétal. Voici la plus impitoyable des fleurs, Nymphaea capensis, la fleur fatale. Comme beaucoup de fleurs hermaphrodites, ayant donc des organes mâles et femelles rapprochés, elle s'arrange pour ne pas se féconder elle-même. Pour cela, elle commence par être femelle pendant 2 ou 3 jours, sans pollen. Pendant les jours suivants, elle est mâle, avec du pollen. Et c'est seulement quand elle est femme qu'elle est fatale. Attirée par un parfum suave, les insectes se précipitent. Voici l'une de ces jolies mouches qui ressemblent à des abeilles et qu'on appelle des syrphes. Elles cherchent du pollen sur les étamines. Non seulement elles n'en trouvent pas, mais les étamines sont cirées comme un parquet. Ça y est, elle a glissé. Elle est tombée dans un liquide spécial, contenant un agent mouillant, de manière que l'insecte soit bien imbibé. Mais la mouche ne veut pas mourir. Elle veut s'en sortir. Va-t-elle réussir ? Non, ça glisse vraiment trop. Cette fois, elle renonce. Elle n'est pas encore morte que commence à tomber de son corps ce que la fleur voulait. Une neige de pollen venant d'un autre nymphéa. Car l'organe femelle de celui-ci est tapi au fond du liquide pour recevoir la semence mâle. Tout était organisé pour cela. Ce n'est pas tout. Dans la nuit, la fleur se referme sur le cadavre. Mais le lendemain et les jours suivants, elle garde ses étamines centrales refermées, faisant un sarcophage à l'insecte qui lui a fait l'amour et qu'elle a sacrifié. Entre-temps, elle a mûri ses étamines, offertes maintenant comme des sucettes enrobées de pollen à d'autres insectes qui ne risquent plus de tomber dans le piège de la veille et qui peuvent repartir librement avec la semence mâle vers un autre nymphéa. Voilà donc une fleur qui décide, pour sa fécondation, qu'un insecte doit mourir et l'autre non. Car la plante n'est pas toujours le plus faible des deux.
Nous sommes au Venezuela, dans la forêt amazonienne. Ce palmier, nommé Pijiguao, a mis des millions d'années au cours de l'évolution à mettre au point un système de protection contre les voleurs et assassins d'enfants, c'est-à-dire contre les mammifères capables de grimper le long de son tronc pour dévorer ses fruits et pire, broyer les graines qui sont dedans. Contre les singes et aussi les rats, ça marche très bien. Contre l'homme, hélas, on est toujours en retard dans la course à l'armement. L'enfant de l'homme sera nourri aux dépens des enfants du palmier. Comment voulez-vous que les plantes ne soient pas tentées par l'autodéfense ? Un chrysanthème bien connu, le pyrètre officinal, fabrique un insecticide capable de descendre un ennemi en plein vol. L'arme du pyrètre est un gaz volatile dont la formule lui a été volée par l'homme. Pourquoi celui-ci l'a-t-il volé? Pour s'en servir contre ses parasites personnels. Il s'agit là d'une affaire authentique d'espionnage industriel. Que l'on pourrait adapter au cinéma sous le titre des chrysanthèmes pour les poux. Quant à cette plante qu'on appelle la casse, on peut dire qu'elle en fait de la casse. Au lieu d'éloigner son parasite, la mouche orientale, elle fabrique du méthylogénol qui excite son appétit, au point qu'elle s'éclate. Mais qu'elle éclate, vraiment. Et si le caféier fait de la caféine, ce n'est pas pour nous réveiller, c'est contre les chenilles. On a mélangé du café à la nourriture de la chenille, ennemie du tabac. À faible dose, elle commence à faire n'importe quoi. À dose plus forte, c'est la pause café définitive. En Australie, les moutons, débarqués au 19e siècle, n'ont pas encore compris que de belles légumineuses du genre Oxylobium sont empoisonnées. Alors que le kangourou n'est pas dupe, étant là depuis des millions d'années. Comme on connaît ces plantes, on les saute. Et voici l'héroïne très commune, d'une histoire qui l'est beaucoup moins. Son nom, Pyrochoris, veut dire en grec « punaise rouge ». On y ajoute « apterus », qui veut dire « sans aile ». Pyrochoris apterus est un ennemi des arbres. C'est pourquoi, en 1965, à Prague, un Tchèque nommé Slama étudie cette punaise des bois. Il l'élève dans ses boîtes rondes, dites boîtes de pétri, qu'on trouve dans tous les laboratoires, au fond desquelles il met du papier journal, faute de mieux.
Slama essaie de savoir comment et à quel stade il serait possible de bloquer la transformation des chenilles de cette punaise en la traitant aux hormones. Et puis, Slama quitte son pays natal et entre aux États-Unis, emmenant avec lui quelques punaises. Il est reçu à Harvard, le clou de la réception étant la punaise, que Slama entreprend d'élever, comme il le faisait à Prague. Surprise! Les chenilles de la punaise européenne se mettent à subir jusqu'à 6 ou 7 métamorphoses larvaires, au lieu des 5 réglementaires, et finissent par mourir. Qu'est-ce qu'elles ont? C'est le climat ou quoi? Soudain, Slama s'exclame. Le papier. La seule chose qui ait changé depuis Prague, en effet, c'est le papier du journal. Mais, dit son collègue de Harvard, qu'est-ce qu'elle aurait cette punaise contre la presse américaine? Pour en avoir le cœur net, on fait s'entraîner les larves de la punaise européenne sur des pistes de formule internationale. Et là, elle se retrouve. Il faut se rendre à l'évidence, seul le papier américain les empêche de devenir punaises. Au nom de la liberté de la presse et de la libération de la punaise, on ouvre une enquête. La piste est remontée jusqu'à la pâte à papier, exclusivement tirée de conifères américains. Ce sont eux les coupables. On ne leur demande pas leur papier puisqu'on les a déjà et on les félicite pour leur ruse. En ayant sans doute par-dessus la cime d'être rongé par des larves de coléoptères, ils semblent avoir repéré que celles-ci doivent subir des transformations successives avant de devenir adultes. Transformations commandées par une série d'hormones. C'est le code permettant de fabriquer ces hormones que les conifères américains, à force d'espionner chimiquement les chenilles, ont fini par repérer. Du coup, ils les produisent aussi, mais à des doses différentes, provoquant un tel désordre que cela les empêche de devenir adultes. C'est cette hormone de combat qui se retrouvait dans le papier américain et qui perturbait les chenilles de la punaise européenne. Il arrive aussi que la nature vienne au secours de l'arbre parasité en faisant appel à un chasseur de primes. Mais comme toujours avec ces gens-là, il y a des bavures. Nous sommes ici en Australie, où ce cacatoès, en principe, est en train de délivrer un eucalyptus d'une chenille géante qui le ronge. En fait, ce n'est pas le sort de l'arbre qui préoccupe l'oiseau, car lui, c'est la faim qui le ronge. L'arbre est traité comme une boîte de conserve. En somme, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Il arrive aussi que la plante, voulant lutter contre une chenille, finisse par la protéger. Le calotropis fabrique un poison pour tuer les chenilles qui l'attaquent. Non seulement elles s'y sont adaptées, mais le papillon qu'elles deviennent se fabrique une cuticule épaisse et coriace avec des petits trous destinés à laisser sortir le poison à la moindre pression. Si un oiseau saisit le papillon, il le lâche avant d'avoir pu l'écraser dans son bec. La plante n'a pas toujours le dernier mot. Il arrive même qu'elle se fasse posséder comme une courge. L'affaire a lieu au Mexique. L'ennemi est une certaine coccinelle
qui se nourrit des feuilles de la courge. Des analyses ont montré que, 40 minutes après l'attaque, la feuille commence à sécréter une substance amère qui la rend incomestible. Mais la coccinelle a compris le coup. Avant de manger, elle consacre 10 minutes à découper la feuille selon un cercle, ne laissant que quelques points d'attache suffisants pour tenir la section découpée en place, mais trop petits pour que la substance amère puisse l'envahir. Et elle mange son sandwich en paix. De plus en plus amère, la courge se dépêche de communiquer son amertume à toutes ses feuilles. Mais le lendemain matin, la coccinelle choisit toujours une feuille située à 6 mètres au moins de la feuille de la veille. Comme par hasard, c'est la distance maximum parcourue en 24 heures par la substance défensive de la courge. S'adapter à la plante, c'est parfois s'ingénier à lui ressembler le plus possible. Ainsi, les phasmes, qu'on appelle parfois insectes rameaux ou bâtons du diable. De se protéger des oiseaux et autres lézards en se fondant dans le paysage végétal. Et les plus confondus sont les phyllies ou insectes feuilles. Leur camouflage est si efficace qu'il leur arrive, dit-on, de se faire mordre par d'autres insectes mangeurs de feuilles. Car le sort de la plante, c'est d'être mangé. On sait désormais pourquoi les pucerons sont attirés par les bourgeons. L'extrémité des jeunes pousses est jaune ou vert jaune. Or, le puceron repère le jaune. Pour lui, jaune égale tendre et sucré. La preuve. Dès qu'il arrive sur le jaune, il campe. Il lui faut longtemps pour admettre qu'il n'est pas sur un bourgeon. Mais voici l'épreuve du BPS, brevet de puceron supérieur. Va-t-il foncer sur le jaune ?
Il arrive que la plante fasse preuve, envers son parasite animal, d'une étonnante complaisance. Quelle étrange affaire que celle de la gale du chêne. Au printemps, une guêpe vient pondre ses œufs dans les nervures d'une feuille. En même temps, elle lui fait en quelque sorte une intraveineuse. Elle lui injecte un produit qui l'amène à s'équiper de petites sphères destinées à abriter et nourrir sa larve, ce qu'on appelle des gales, et ressemblerait à première vue à une tumeur ou à une défense contre l'insecte. Mais c'est que le chêne y met vraiment du sien. D'abord, pour protéger la chenille des dangers extérieurs, il rend l'enveloppe de la sphère dure comme du cuir en y concentrant du tanin. De plus, à l'intérieur, le chêne installe un garde-manger dont il renouvelle les provisions. Arrive l'automne, puis l'hiver. Les gales jaunissent avec les feuilles, puisqu'elles sont faites de leur matière, et tombent avec elles. La guêpe s'obstine à l'intérieur. En janvier, elle se décide. Or, la paroi de la sphère est si dure qu'elle ne parviendrait jamais à la percer si le chêne, décidément conditionné, n'avait prévu pour elle une petite porte facile à ouvrir. Merci de votre visite. Revenez nous voir. Et voici mieux encore. Une prédation soigneusement planifiée qui tourne à la symbiose. Le port en parasol de l'acacia fait que le maximum de son feuillage est étalé en hauteur entre 2,80 m et 5,50 m. Juste la bande de végétation que la colonne vertébrale de la girafe lui permet d'explorer. Celle-ci, de son côté, a adapté ses lèvres, sa langue et ses paupières pour aller chercher à travers les épines les feuilles les plus jeunes. Comme elle a plus d'une tonne à nourrir, elle fait la tournée des acacias, ne revenant sur le même que toutes les 4 semaines, juste le temps qu'il faut à celui-ci pour développer de nouvelles pousses latérales. Le français Hubert Gillet, du Muséum d'Histoire Naturelle, parle ici d'heureuse association entre l'acacia et la girafe. Et puisque nous sommes en Afrique, voici un arbre qui a signé le plus nécessaire des contrats. Celui qui garantit la reproduction. Tous les ans, le baobab fait des fleurs. Pour les faire féconder, il a, comme on dit, fidélisé une clientèle particulière. Il offre la nuit aux chauves-souris une fleur pendante au bout d'une longue tige, ce qui les éloigne des branches, évitant de brouiller leur sonar, et leur permet aussi de s'y agripper. Une fleur blanche, le plus visible la nuit, mais qui émet surtout un parfum aigre, spécial chauve-souris. C'est une copie, semble-t-il, de celui qui leur sert à se reconnaître entre elles. Chaque fleur offre un millier d'étamines, de sorte que les chauves-souris ne peuvent que s'imprégner du pollen dont elles se gavent, et le déposer
sur l'organe femelle de la fleur. Mais enceinte. La chauve-souris manipulée, mais nourrie. Abandonner les oiseaux et les insectes pour les chauves-souris, pourquoi pas? Mais les abandonner pour les vraies souris, est-ce possible? Les protéacées poussent en majorité dans les régions chaudes de l'hémisphère sud, surtout l'Australie et l'Afrique. On leur a donné le nom de Protée, ce dieu de la Grèce qui pouvait changer de forme, à cause de la diversité de leurs fleurs. Comme celle de l'artichaut, de la marguerite et de toutes les composées, elles sont petites, mais réunis à plusieurs en gros capitules de 8 à 10 cm de diamètre. Ces capitules sont brandis, la plupart du temps, en haut des buissons, sur le passage des insectes et surtout des oiseaux, qui sont attirés par un nectar abondant et sucré, au point que parfois, les indigènes en tirent une sorte de sucre. Mais voici un buisson qui, au lieu de brandir ses capitules sur le passage de la clientèle volante, les fait fleurir à son pied, au ras du sol, d'où le nom qu'on lui a donné, Protea humiflora, Protée à fleur de terre. Les oiseaux ne peuvent ni apercevoir, ni approcher une telle fleur dans ce fouillis de branches. Alors, pourquoi la faire fleurir là? Eh bien, parce que cette Protée s'est abonnée en exclusivité à une souris des rochers qui ne sort que la nuit. Pour l'attirer, elle dégage un parfum spécial, produit un nectar que la souris adore, et aussi du pollen, en veux-tu, en voilà. Il y en a tellement, et les étamines sont disposées de telle sorte, que les souris sont obligées d'en emporter sur leur museau et sur leurs pattes. De le livrer d'une fleur à l'autre, d'un buisson à l'autre. Ce qui est le but recherché. La plante évite ainsi de dégénérer. En échange, la souris se promène tranquillement d'une confiserie à l'autre, à l'abri des rapaces. La plante ici fait d'une pierre deux coups. Nourrissant et protégeant son pollinisateur, elle s'en assure la fidélité. En somme, si les plantes font souvent la guerre, elles n'ont comme nous qu'une envie, faire la paix. C'est ainsi que vivra longtemps cette protéacée, tant qu'il y aura pour l'aimer des souris et des hommes.